Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas.